Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous une fois de plus sur Akouma TV. Nous sommes en pays Bamoun, plus précisément à Foumban, où a lieu la 544e édition du Ngwon, le grand festival traditionnel et culturel du peuple Bamoun. Vous découvrirez avec nous cette édition tout à fait remarquable car elle est d'autant plus marquée par l'anniversaire au règne du sultan roi Ibrahim Bombom Joya, qui célèbre cette année ses 20 ans au règne. Vous découvrirez à travers nos différentes rencontres les intervenants, les exposants, mais également ce paysage magnifique, riche en culture, à quel point il est bon d'être à Foumban en cette période. Restez avec nous et c'est tout de suite sur Akouma TV. Responsabilité souveraine, les titans Ngwon qui sont des personnes de confiance désignées par le monarque, les Fonan Ngwon qui sont la courroie de transmission entre les titans Ngwon et le peuple, ces Fonan Ngwon qui étaient estimés à 138 en 2006 sont donc l'assemblée souveraine au sein de laquelle s'évoque et ce débat sans fioriture, les doléances et les préoccupations des peuples. Ces doléances, ces préoccupations sont regroupées dans des réquisitoires et sont adressées de manière souveraine et directe au monarque. Mesdames, Messieurs, c'est à cette cérémonie, c'est à ce rituel traditionnel, immuable, original, qui symbolise l'origine du peuple Bamoun, c'est ce rituel qui va se dérouler dans quelques instants devant nous. Un pays qui ne connaît pas son histoire et sa culture est comme un bateau sans gouvernail. Nous sommes à l'entrée du village du festival Le Ngwon qui célèbre cette année sa 544e édition. Il y a de nombreux exposants cette année, y compris des artisans, mais également des partenaires venus de tout le monde entier pour cet événement spectaculaire. Regardez, c'est tout de suite sur Akouma TV. Hello. Good morning, sister. So, can you introduce yourself to the people who are watching us from all over the world on Akouma TV? Yeah. I am called Ndasi Ferdinand. I do in what you people are seeing hanging all around and on me. And on me as well. Yeah. I use hand. This is not made out of machine. I use hand to mark them. Uh-huh. Yeah. And it takes a lot of time. Uh-huh. Yeah. To mark them. For example, a dress like this one. Yes. I can take 2 months. 2 months. Yeah. To mark with hand. With hand. Wow. Yeah. And I have all types.
For women, yeah. Men, yeah, children, even children. Okay. Yeah. So when do people usually wear this outfit? Yeah. On what occasions? Yeah. People usually wear this when they have special invitation. Yes. Yeah. Mm-hmm. For example, a phone can call you that you should come mm-hmm. in the palace. Mm-hmm. But you cannot dress a type. Yes. You have to dress responsibly yeah. because these are dresses for responsible people. Oh, yeah. It is not dresses for to go in the nightclub or yeah. on the street every day. No. Mm-hmm. Yeah, yeah. Okay. And what did you use to make your hat? Because it's quite impressive. The hat, yeah. I use what we call in French, there is an animal that we call Paul Kepik. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. I use the feathers. Uh-huh. These are feathers that come from Paul Kepik. Okay. Yeah. Wow. I use it to come out with this marvelous cap. Wow. Yeah. You have been there for all the week for the festival. Yeah, yeah, yeah. So can you tell me more about your impressions? How did it go? And are you happy? Yeah, yeah, yeah. I'm very, very happy mm-hmm. because, you know, when we come to a trade fair like this, it is not only to sell. Yeah. We have to discover some other artists like yes. you. Then we exchange. Our card. What's the name of this kind of clothes? Because yeah. I've seen many people wearing this yeah. since I'm here in Kumban. We call this Ndop. Ndop. Yeah. Okay. It is. This is the culture mm-hmm. of the people of the grass field. Yeah. And you can only find this in the west region. Yes. At Bafusam. Okay. You can't get this elsewhere. Ndop. Yeah. Wow. We use Bethan mm-hmm. To bring out what you are seeing. Yeah. Hand. So yeah. everything is made with hand. With hands. Yeah. That's amazing and we really love your work. Yeah, and yeah. You know, people are watching us from all over the world and I hope they will like it as well because it's amazing. We have really talented people in Cameroon and we want everyone to know about you. Thank you also. Thank you. Yeah. Thank you for your time. Have a nice day. You too. Yeah, yeah. Goodbye. Yeah, thank you. C'est qu'on fait les serves qu'on répète pour faire parfois des babouches avec d'eau. C'est avec ça, nous mettons dans un moule, nous envoyons ça au feu à fond, dans nos retirons. On essaie d'embraser, c'est-à-dire les petites manchettes qui sont dans les manchettes là, on essaie de poncer. Après on met un peu de tissant avec des teintures naturelles, vous voyez. Oui, et on essaie de mettre, de faire ça aussi en perle et de conserver un bijou. Bon, et ici par exemple c'est l'os de bœuf, ici on prend l'os, on écrase une poudre. Bœuf, on recueille le liquide de ce qu'on appelle le yendé. Vous connaissez le yendé? Le vernis à Oussa, on mélange avec la poudre de l'os de bœuf et après on met dans un moule qui doit donner une forme du médaillon en fait. Après on ressort, on les ponce, on sort du jardin. Et là, le contour, c'est le bois qui est la liane. Voilà, nous arrivons à la dernière phase du Ngwen, qui est la marche guerrière donc, de tous les Bamoun vers le palais du roi. Donc comme vous le voyez autour de moi, il y a énormément de monde en costume traditionnel, costume de guerre, pour aller à la demeure du roi, pour lui présenter justement la tête des ennemis. Donc en fait, c'est une sorte de remise en scène des batailles antérieures des Bamoun. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a des personnes qui viennent véritablement du monde entier, des Bamoun qui sont dans la diaspora, qui sont revenus pour assister à cette incroyable cérémonie. Et nous avons rencontré également des notables, des anciens, des sages qui nous ont partagé cette expérience justement. Ils nous ont parlé de l'histoire du peuple Bamoun, de cette cérémonie du Ngwen qui est à sa 544e édition. Et vous allez regarder, c'est très très intéressant. Restez avec nous, c'est sur Akouma TV. Qu'est-ce que vous pouvez dire brièvement pour nous expliquer un peu le contexte? Bien, c'est une journée de guerre, c'est une journée symbolique. Cette journée symbolise le jour où les Bamoun sont allés au front, ont conquis d'autres peuples, d'autres tribus, et donc on fait de ces tribus des tribus Bamoun. Et voilà donc pourquoi on vous parle aujourd'hui des rois vassaux. Il y a des rois vassaux qu'on a introduisés hier, c'est des rois des tribus qui n'étaient pas des tribus Bamoun, qui entourent le royaume Bamoun.
Et donc on a conquis des royaumes qu'on a conquis, qui sont donc venus, devenus des royaumes Bamoun. On les appelle donc les Fonatua. Donc c'est en cette journée de guerre qu'on a conquis ces royaumes, en fait, ces tribus. Pourquoi est-ce que le roi vient s'arrêter ici? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas? Le roi vient s'arrêter ici pour faire hommage à Fifankundu, l'un des très grands guerriers qui avait, n'est-ce pas, l'esprit d'ouverture. Il avait donné des idées pour qu'on creuse des fossés, pour que quand, n'est-ce pas, les ennemis viennent, ils tombent dans ce fossé-là. Les gens ont donc jugé anormal et le sultan-là, on l'avait, n'est-ce pas, éliminé. Donc par regret après, on a senti que l'idée qu'il donnait était très importante. On a donc creusé des fossés. Et maintenant, le sultan vient pour rendre hommage à l'idée de Fefenkundu. C'était une figure emblématique dans l'histoire Bamoun. Les trois cases signifient les trois frères qui sont quittés Tikar ensemble. Et dès qu'ils sont arrivés ici, il y a donc Charayan qui s'est installé à Fumban, l'autre qui a pris la direction de Banson et l'autre qui a pris la direction de Bafia. C'est comme ça qu'on commence donc l'histoire. Pour qu'ils sortaient des États-Unis, vous êtes des États-Unis pour venir spécialement à cette manifestation. Donc, quelle est la place des traditions dans la vie d'un Bamoun? Oui, vous savez que d'ailleurs, même s'il faut aller dans le sens logique, le Ngwon, c'est d'abord une identité culturelle Bamoun, où le peuple Bamoun se rassemble, où le peuple Bamoun se rassemble pour vivre ensemble les traditions. Parce que la tradition est très importante. On ne joue pas avec la tradition. Voilà donc pourquoi, quand ce moment fort arrive, nous, on est contraints de faire notre présence effective ici à Fumban pour partager, n'est-ce pas, ce moment fort avec toute, n'est-ce pas, la communauté Bamoun. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez Je m'appelle Yasmine. Ok. Ouais. Et vous venez d'où? Je viens de l'Allemagne. L'Allemagne? Ouais. Et vous êtes venue ici spécialement pour le Ngwon? Bon, pas particulièrement pour ce week-end, oui, pour le tourisme, mais en fait, ici au Cameroun, j'habite ici comme volontaire pour un an. Ah, pour un an? Ouais. D'accord. Et c'est la première fois que vous venez à Fumban? Oui, c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, c'est... Non, j'apprécie beaucoup que tous les gens, ils rient beaucoup, ils sont excités, ils sont... Ouais, l'ambiance est bien. Et... Ouais, grâce à mon ami, il m'explique beaucoup comment, pourquoi il y a des petits jeux et pourquoi ça se passe comment, les traditions, ouais. Et là, non, c'est intéressant. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, c'est pour démontrer que le peuple Bamoun est un peuple de guerriers. C'est un peuple guerrier. On ne renverse jamais un Bamoun. Un Bamou est un et indivisible. Un et indivisible. Et en ce moment de la démocratie, de multipartisme en pays Bamou, quand nous sommes devant notre roi, nous ne sentons pas qu'il existe un parti quelconque installé ici. Sauf le parti où le roi peut nous soutenir vers là. L'enthousiasme de voir un peuple réuni autour d'un roi qui parle une même langue et qui partage un territoire vaste d'une superficie de plus de 7500 mètres carrés. Voilà, et par rapport à vos frères qui n'ont pas pu être là et qui vont voir cette vidéo et qui auront cette nostalgie-là, qu'avez-vous à leur dire en votre langue traditionnelle? Bon, en ma langue traditionnelle, je leur dirais « N'chemou m'mou, y pati n'cheli n'ayo » Il pourrait être un jeu Mancha Minani, pour toi, il y a un bon à débattre le monde. Ma barre est un peu plus de temps. Il y a pour chier pour le monde. Pour toi, je ne suis pas pour le monde. Et si je peux traduire cela en langue en français? Bien évidemment. Ça veut dire, dans la coutume Bamoun, on se fixait des rencontres, on se fixait des rendez-vous à des pareilles occasions, c'est-à-dire le monde. Donc, à la fin d'une pareille cérémonie, nous disions rendez-vous à l'édition prochaine. Parce que c'est une fête de rassemblement au cours de laquelle tout Bamoun de divers horizons ont une occasion de se rassembler autour de leur roi et puis partager ce qui leur est de tradition. I'm from the US. I just traveled for this festival. I'm originally here in New York City, but Bamoun. Yeah, this is my first time to participate. So this is the first time?
what are your thoughts about the festival? Wow, this is unbelievable. It's something that you can't really tell. I don't know how to describe it. It's amazing. It's amazing. Yeah. So you're happy to be here? I'm happy to be here. Là, nous revenons du champ de bataille où nous avons combattu les ennemis du royaume et nous sommes en train de revenir vers le palais où nous allons présenter au roi des Bamoun le trophée de guerre. En fait, en termes de trophée, il s'agit des têtes des ennemis qui ont été décapités, mais également tout le butin qui a été ramassé durant la bataille. La symbolique des herbes et l'arbre de paix et tout ce qu'on voit, c'est quoi exactement ? Alors l'arbre de paix, c'est juste pour dire que nous sommes à une ère de modernité. Il ne s'agit plus de mener des batailles comme par le passé. Et l'arbre de paix voulait juste dire qu'au-delà de la guerre et de tout ce qu'on peut avoir comme conflit entre voisins, il faut maintenir la paix parce que la paix est le gage de la sécurité, de la stabilité et du développement. Étant né et ayant grandi ici, on se sent ici à la maison, mais l'apparence, beaucoup de personnes pensent qu'on est de l'étranger, tu vois, et à l'étranger on pense qu'on est africain, mais ça, pour nous c'est une richesse d'avoir les deux. Voilà, c'est une bonne chose déjà. Alors vous, en tant que, je veux dire métissé, ça veut dire vous êtes de là-bas et d'ici, quelles sont vos impressions, ça vous fait quoi d'être ici, de partager ces moments assez particuliers? C'est indescriptible, hein. C'est inoubliable, ça fait partie de nous, tu vois, si on perd cette culture-là, c'est très dommage. Voilà, voilà. Et qu'avez-vous comme message à donner à ceux qui, comme vous, sont peut-être d'ici ou peut-être pas, ou alors sont même d'ailleurs d'ici mais ne sont pas là? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'ils ont vraiment raté quelque chose de vraiment fantastique, qu'ils devraient venir et participer comme nous. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos amis qui ne sont pas venus? Ils ont raté. Ils ont vraiment raté. Je suis Machut, qui veut dire chef. Chef du Gic Provan. Gic pour la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine culturel du Noun. Et oui, et ici, nous sommes ici autour de Niamji, autour de Niamfong. C'est-à-dire l'une des sociétés secrètes royales. Ce que vous voyez ici, tous ces masques, c'est des masques qui appartiennent au roi. Et autour de la danse Soro. La danse Soro, c'est la danse des guerriers. Des guerriers, parce que lorsqu'on se rendait sur le champ de bataille, on dansait le Soro pendant, après et avant même. Et c'est ce que vous voyez, la mise en scène aujourd'hui autour de notre grand roi, Hadj Ibrahim Bombonjoya. Moi, je m'appelle Mbalamanga Julienne F. Je suis invitée au Ngun pour s'occuper des chevaux. Comme vous voyez, je suis artiste plasticienne, comme je vous ai dit. Je fais dans la coiffure artistique et traditionnelle. J'étais invitée ici pour coiffer les Miss Ngun, mais j'ai aussi occupé certains postes qui n'étaient pas de la coiffure, comme membre du jury. J'étais membre du jury pour sélectionner la Miss. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment est-ce que vous avez réalisé cette coiffure-là et d'où vient votre inspiration? Cette coiffure, j'ai eu l'inspiration de cette coiffure hier parce que je devais passer à la marche avec le roi. Mm-hmm. J'ai préféré porter la double victoire qui veut dire serpent à deux têtes. Oui. Tout le long de la marche pour expliquer ma joie d'être dans le Ngun cette année. Et vous participez souvent au Ngun? C'est ma première fois de participer au Ngun. Et quelles sont vos impressions justement par rapport à cette première fois pour vous? Pour ma première fois, la fête est une bonne fête, une très grande fête. J'apprécie d'abord la culture. De part et d'autre, quand je voyage pour faire des compétitions de coiffure, c'est des coiffures qui parlent. Je parle de l'Afrique à travers les cheveux. Je parle par exemple du peuple Bamoun, du peuple Bamileke, du peuple ceci. Je parle des Sud-Africains, je parle des Camerounais, je parle de plusieurs Africains
à travers les cheveux. Je suis M. Charé Omao, je suis directeur de la culture du Palais des Rois Bamoun à Fumba. Et vu que nous arrivons au terme de cette manifestation, donc le Gwen, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelque sorte comment est-ce que ça s'est passé de votre côté? Quels ont été les moments forts et qu'est-ce que vous en retenez? Bien, le Gwen cette année pour nous, ça a été un succès éclatant. Et un moment fort parce que il coïncide avec le 20e anniversaire de notre roi. C'est ce qui explique d'ailleurs la richesse des festivités inscrites au programme. Mais temps fort, moi je retiens trois temps forts. Déjà, nous avons le vendredi soir avec l'entrée rituelle de Ngouen au palais. Vous savez, le Ngouen, c'est cette espèce de petite société secrète qui entrent au palais le vendredi, qui dorment au palais pour communier ensemble avec le palais. Et le deuxième temps fort pour moi, c'était le samedi, où le peuple mettait le roi debout pour le juger, et où le roi avait des comptes à rendre à son peuple. Et le troisième temps fort autant pour moi, c'est ce que vous venez de vivre maintenant, c'est que nous appelons le chômage. Le Chormoulé, en fait, c'est une espèce de simulation de guerre. Vous savez, le royaume Bamoun a toujours été qualifié de royaume guerrier. Bamoun, peuple guerrier. Et aujourd'hui, l'étendue de notre territoire couvre plus de la moitié de toute la région de l'Ouest. On a eu ceci grâce à plusieurs guerres. On ne voudrait pas que ce sang de vaillance, ce sang de courage, ce sang de bravo quitte un seul instant les futurs des futures générations. Voilà pourquoi à chaque édition de Rouen, on simule pour que ce sang habite et coule dans les veines du peuple Bamoun. Voilà. Justement, en parlant de sang qui coule, comment est-ce qu'on peut justement transmettre la culture aux jeunes générations? Vous qui êtes justement chargé de la culture du musée ici, quelle est la place des traditions dans la population, au sein de la population Bamoun, mais aussi camerounaise en général, et comment est-ce que vous pensez qu'il faudrait la transmettre aux jeunes générations qui ne s'y intéressent pas forcément? En fait, nous avons une politique. Nous savons ce que dire aux Bamoun et comment leur dire. L'intérêt qu'on porte sur une histoire, une culture, dépend de l'approche qu'on fait et la manière de conter l'histoire. Vous pouvez connaître beaucoup de choses, mais si vous n'avez pas de tact de transmission, votre histoire n'intéressera pas. Je pense que nous nous efforçons à faire cela. Et aussi, déjà, nous avons au palais, dans le royaume, une maison que nous appelons Maison de la Culture, qui est un centre de formation où les enfants viennent apprendre leurs traditions, leurs us et coutumes, où ils apprennent beaucoup plus l'écriture du roi Njoya. Nous avons essayé de faire comprendre aux Bamoun. Heureusement que les Bamoun ont compris. Pour les Bamoun, il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, c'est le temps de la culture et des traditions. Vous voyez les Bamoun, vous ne savez pas de quelle obédience ils sont tous ensemble. Donc, le Bamoun, c'est ce peuple-là qui connaît faire la distinction entre les choses. Et un peuple extrêmement jaloux de sa culture parce que on ne parle des Bamoun que grâce à leur culture. Si on nous ôte cette culture, le Bamoun sera rien. Je pense que ça s'applique même à tous les peuples de la terre. Absolument. Mais le conseil que je peux donner aux différents peuples du Cameroun ou de l'Afrique noire est assez simple. Même si le monde évolue, il faut toujours comprendre qu'il vaut mieux savoir d'où on vient pour maîtriser le présent et préparer l'avenir.
Parce que quand vous ne savez pas où vous venez, vous ne saurez pas où vous êtes et vous ne saurez pas où vous irez. Et on ne peut pas non plus vivre en l'an 2012, un peu comme si on vivait en 1394. C'est pour ça que nous avons ici une politique de mariage de raison entre tradition et modernité. Les deux devraient se compléter. La modernité ne devrait pas substituer la tradition. Voilà. Voilà, merci. On espère vous voir en 2014, c'est ça? Inch'Allah, Inch'Allah.